dans le département des Hautes-Pyrénées, qui fait partie de la SAFER Gascogne-Languedoc. Bon, les principales productions s'articulent autour d'élevage, production d'élevage en montagne, une partie maïsicole sur la vallée de l'Adour, et puis une partie polyculture-élevage sur cette région des coteaux où on se trouve actuellement. Donc, nous sommes aujourd'hui au cœur d'une exploitation de volailles sur cette région des coteaux de Bigorre. Je produis des chapons et des dindes fermières label rouge pour les fêtes de Noël. Et au cours de l'année, je produis aussi du poulet label rouge sud-ouest. Je fais aussi une petite production locale qui est la poule noire d'Astarac Bigorre, qui est une production en devenir qui se lance, comme l'a été le port noir de Bigorre il y a quelques années. Je ne connaissais pas la SAFER avant d'avoir le projet de m'installer. J'ai appris à connaître Pauline lorsqu'elle est venue me rencontrer au bureau il y a environ 18 mois. Tout le monde n'est pas encourageant, mais il y a toujours des personnes qui ont cru en moi. J'ai senti une forte détermination. J'ai tapé à la porte de la SAFER qui, eux, ont su m'écouter, m'encourager et me pousser vers le processus d'installation. À travers la discussion, j'ai vite vu le modèle d'exploitation qu'ils cherchaient. Il faut vraiment créer les conditions de la réussite et bien choisir le site approprié. Ça, c'est vraiment déterminant. Les anciens propriétaires étaient très attachés à leur exploitation qui avait vu naître leurs aïeuls. La SAFER a joué un rôle de tampon entre les anciens propriétaires et moi pour améliorer l'entente et la succession. L'exploitation ici fait 24 hectares et sans le portage de la SAFER, je n'aurais pas pu reprendre ces 24 hectares. Il s'agit de notre premier dossier de portage sur les Hautes-Pyrénées où la SAFER est toujours propriétaire de 11 hectares sur l'exploitation qu'elle va louer à Pauline pendant 7 ans. Donc ça lui a permis un peu de diluer le coût d'investissement au départ puisqu'elle a dû acheter la maison d'habitation, les bâtiments, c'était déjà un coût assez important, surtout couplé aux investissements qu'elle est en train de réaliser sur la création des nouveaux bâtiments. Ici derrière nous, on a les travaux en cours pour les 4 nouveaux poulaillers. Ces 4 poulaillers de 400 mètres carrés chacun vont me permettre de produire 57 000 poulets annuels. Tout en label rouge liberté. Mon rêve d'agricultrice, c'est de bien vivre de mon travail en aimant ce que je fais au quotidien. Pauline est en train de donner un second souffle à l'exploitation. La compétitivité est au cœur de mon installation. Elle est en train de créer les conditions de sa réussite. Depuis un an. Avec la SAFER, on a repris le projet à la base et de façon très globale. On a parlé du foncier, mais aussi de tout ce qui est production animale et rentabilité de l'exploitation par la suite. Être compétitif, c'est aussi multiplier les débouchés. Donc aujourd'hui, je suis en contrat avec une coopérative qui me permet de faire du volume. Et en parallèle, je développe les circuits courts par de la vente directe sur les grandes villes des alentours qui me permettent aussi de valoriser mes produits qui ne vont pas correspondre à la grande distribution et aux coopératives. L'ironie de mon installation, c'est que Fabien, donc le conseiller de la SAFER qui m'a aidé à l'installation, a une petite phobie des volailles. Qu'est-ce que je peux dire là ? Je préfère voir les volailles dans mon assiette que de les plumer, on va dire.